God, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. Salut bon, dans Reaction Jobby Ball, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est là pour un player review exceptionnel, un player review sur Cristiano Ronaldo. Putain, c'est juste oufissime, rien que de prononcer son nom, c'est juste magique. Voilà, donc Cristiano Ronaldo qui m'a été prêté par mon pote Zerka. Merci, 12 milliards de merci, tu gères vraiment le steak. Donc je vais lui rendre cet après-midi normalement. Voilà, donc Cristiano Ronaldo en AG bien sûr, parce que bon, je pense que l'utiliser en MG c'est un petit peu gâcher ses capacités. Donc vous allez voir pendant toute la review que c'est franchement le meilleur joueur du jeu. Voilà, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester, en même temps il est ultra cher. Donc c'est le joueur le plus cher du jeu en normal. Donc vous voyez ses stats, hein, 93 de vitesse, 90 de frappe, 86 de tête, 91 de dribble, 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mobilité, rendement en attaque élevé, rendement en défense faible, 1m85. Donc à l'époque où j'ai fait ça, 12 matchs, 15 buts et 4 passes décisives. Donc bien sûr je l'ai eu pour offre d'échange, il vaut normalement 2 millions maintenant que les prix sont en train de beaucoup baisser avec les TOTS qui arrivent. Donc on va passer à cette stat in-game, c'est parti. Donc 95 de contrôle, 83 de centre, 88 d'effet, 90 de dribble, 92 de finition, 79 de précision de coup franc, 86 de tête, 72 pardon de précision de tête, 93 de tir de loin, 85 de penalty. Il a également 82 de passes courtes, 94 de puissance de frappe et 85 de reprises de volée, qui sont vraiment des stats exceptionnelles. Ensuite 89 de placement offensif, 81 de vista, 63 d'agressivité seulement, 91 d'accélération, 93 d'agilité, 75 d'équilibre, 94 de détente, 90 de réactivité, 94 de vitesse, 89 de endurance et 79 de force. Allez, c'est parti pour les clips. Donc vous allez voir que Cristiano Ronaldo est un joueur tout à fait exceptionnel. Donc on va commencer avec un petit coup franc qu'il a marqué, donc un coup franc très près, voilà, coup franc très bien tiré sur la barre entrante. Donc ensuite on va passer au réel clip. Donc le premier centre, c'est la tête de Cristiano Ronaldo, donc une bonne tête plongeante, il est bien placé, il montre son positionnement et tout son talent dans le jeu de tête. Ensuite il va montrer qu'il sait faire des gestes techniques. Voilà, vous voyez, frappe pied droit, il fait un scoop turn du pied gauche, il enchaîne frappe pied droit, les pénalty, les coups de pied arrêtés, c'est quelqu'un, un joueur qui est excellent sur coup de pied arrêté, soit pénalty, coup franc ou corner. Ensuite regardez, il va montrer tout son talent, il élimine le joueur et il finit de son pied droit, encore pleine lucarne. Vraiment, ça c'est vraiment toute sa force, j'ai vraiment fait ça pas mal de fois dans la review, les frappes de son pied droit sont magnifiques. Son pied gauche est également très bon, un peu moins bon bien sûr que son pied droit, j'aurais préféré qu'il mette 5 étoiles le mauvais pied face qu'il le mérite de toute façon. Ensuite ce qui rentre très facilement, c'est les Maggie Spin et les Scoop Turn, et bien sûr les Ronaldo Shop qui sont son geste technique. Là vous voyez que j'humilie un petit peu le gardien avec un petit arc-en-ciel sur le gardien, il enchaîne ensuite avec une volée. Donc là il va montrer qu'il s'est tiré également les coups de pied arrêtés comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là cette fois la tête sera sur la barre, mais une minute après il sera dedans. Voilà, les deux sont très bien tirés à l'endroit où il faut. De toute façon le penalty encore tiré au même endroit à gauche, le ballon rentre à la 90e minute. Ensuite Blachikovski va frapper, il va montrer son jeu de tête, regardez, et son placement. Là il est bien placé, il met son jeu de tête après un petit cafouillage, il met sa grosse, son gros coup de crâne. Là il va montrer sa reprise de volée du pied droit magnifique, pleine lucarne. Ensuite un coup franc encore des 25 mètres de barre, et voilà, poteau rentrant. Le coup franc est parfait des 25 mètres. C'est Cristiano Ronaldo. Et là encore la frappe, le contrôle, la frappe enchaînée pied droit. Ça c'est vraiment une de ses forces, il fait ça très bien. Ensuite regardez, il va montrer qu'il s'est centré également de son mauvais pied, le pied gauche, la tête de Karim Benzema qui était là pour reprendre. Ensuite regardez l'élimination, la feinte, et voilà la frappe pied droit encore. C'est vraiment facile, on fait quelques gestes techniques de là-bas, on élimine les joueurs et on repique pied droit dans l'axe avec ce joueur. Là regardez le stop and turn, la frappe pied droit pleine lucarne, des buts vraiment magnifiques, des buts parfaits, un joueur parfait de toute façon. C'était vraiment exceptionnel de jouer avec lui, je vais te remercier Zerka, parce qu'on arrive à la fin des clips. Je vais te remercier encore une fois Zerka chaleureusement, vraiment merci à toi de me l'avoir prêté, c'est vraiment très sympathique de ta part. Voilà, donc Cristiano Ronaldo, un joueur exceptionnel, donc qui bien sûr il est très rapide,
C'est un excellent finisseur devant le but, il rate jamais. Dès qu'il arrive devant le but, que ce soit pied gauche ou pied droit, il est là pour finir. Ensuite, bien sûr, il a 5 étoiles de geste technique. Il a tout le mauvais pied, c'est un gros avantage. Bien sûr, c'est 5 étoiles de geste technique. C'est juste exceptionnel de jouer avec un joueur qui a 5 étoiles. Il a un excellent positionnement. Voilà, il est toujours bien placé au bon endroit. Il est là, il rôde dans la surface. Il est toujours bien placé. Ensuite, il tire très bien les coups de pied arrêtés, que ce soit corner, coup franc, penalty. Vous l'avez vu dans la review, 2 ou 3 coups francs. Et quelques corners et quelques penalties. Ensuite, c'est un énorme joueur dans le jeu de tête, malgré que ce soit, qu'il soit pas Mandzukic. Il est quand même très bon de la tête. Il a un très gros physique, il tient vraiment très bien sur ses pattes. Et il a une grosse puissance de frappe. Ensuite, ses points moyens, c'est bien sûr qu'il est peu abordable et qu'il manque un petit peu d'agressivité, malgré qu'il soit... Voilà, il est un peu agressif, mais il manque un petit peu d'agressivité dans le bon sens du terme, bien sûr. Voilà, c'était bien sûr un joueur exceptionnel, donc je lui attribue bien sûr la note de 20 sur 20. C'est juste exceptionnel d'avoir fait cette player review. Donc voilà, j'ai envoyé cette vidéo à la Oni FIFA, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce magnifique player review vous aura plu. Donc je vous invite à casser la barre de like pour cette review exceptionnelle. S'il vous plaît, pensez-y, ça vous prend 2 petites secondes. Vous mettez juste un petit like, un commentaire pour cette review. Juste totalement exceptionnelle. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. J'espère qu'il y en aura d'autres de ce calibre-là. J'étais MyXFlow. Peace. Si tu cherches un site fiable qui vend des crédits FIFA Ultimate Team 14 et pas cher, tu peux aller dans la description et checker les deux liens. T'as le choix entre MMOGA et FIFA Coin Buy. J'espère que cela te convient. Allez, à plus.